Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Gala 2019 du Cégep de l'Apocatière. Étudiant en 1969 en sciences de la santé au Cégep de l'Apocatière, il a joué comme demi-défensif et centre arrière au football pour les Gaulois en 1970-71. À la suite de ses études universitaires en éducation physique, il effectue un retour au Cégep de l'Apocatière comme enseignant en éducation physique de 1976 à 1983. Puis, il retourne sur les bancs d'école pour poursuivre des études universitaires en informatique. Il revient alors au Cégep comme enseignant en informatique de 1986 à 2002. Finalement, il opte pour le saut à la direction et occupera jusqu'à sa retraite en 2008 les postes de coordonnateur du service des affaires étudiantes et directeur du centre d'études collégiales de Montmagny. Grâce aux diverses compétences qu'il a développées au fil de sa carrière au Cégep de l'Apocatière, depuis sa retraite, il a mené 3 projets humanitaires à l'international, au Cameroun, au Sénégal et en Haïti. On a souvent dit de lui qu'il avait le Cégep tatoué sur le cœur et son empressement à accepter de co-animer le Gala 2019 en est une preuve très éloquente. Il a débuté ses études collégiales en arts et lettres et communication profil média à l'automne 2018. Il joue présentement au football comme secondaire avec les Gaulois de l'ITA et du Cégep l'Apocatière. Il possède une belle expérience dans l'animation puisque durant 3 ans, il a animé le concours secondaire en spectacle ainsi que le gala des dômes au collège de Sainte-Anne de l'Apocatière tout en étant animateur pour le camp de jour de la ville d'Apocatière. En 2018, il a effectué un stage en Haïti avec Paramondo. Sans doute passionné par les défis qui se présentent à lui, il n'a pas hésité une seconde lorsque lui a proposé de co-animer le gala, même s'il ne savait pas trop dans quoi il s'embarquait. Mesdames et messieurs, je vous laisse le soin de deviner lequel est lequel. Accueillons chaleureusement les hôtes du gala 2019 du Cégep de l'Apocatière, messieurs Daniel Dubé et Maxime Lizotte. Bonsoir. Bonsoir. Juste pour être sûr, c'est moi Maxime, puis c'est lui Daniel. Ce soir, c'est un soir black and white. J'invite donc Mesdames Chloé Gaumont, du département des lettres et communications, et Valérie Lévesque, conseillère en information scolaire et professionnelle. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Bonsoir. J'invite donc Mme Sophie Brodeur du département des sciences humaines et Mme Marie Zouillette du département des sciences et techniques biologiques à venir nous rejoindre sur scène. Maintenant, passons à un peu de spectacle. Ils ont remporté la 3e place lors du concours Cégep en spectacle de cette année. Mesdames et messieurs, accueillons un duo composé de Raphaël Leblanc-Pajot et Michaël Joly dans une interprétation d'un numéro intitulé « Les matins ». Voici les Blancs-Pajolis.
Mes excuses, madame. Mais il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ne vous aurais-je pas aperçu, madame, à Manchester, par hasard ? C'est bien possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester, mais je ne me souviens pas très bien. Je ne pourrais pas vous dire si je vous y ai aperçu ou non. Comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à 5:15, madame. Comme c'est curieux. J'ai pris le même train, moi aussi. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas. Je voyageais en 2e classe. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est curieux. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Mon Dieu, comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible et ce n'est pas du tout exclu, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8 au 6e compartiment. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Peut-être bien alors que nous sommes rencontrés dans le 6e compartiment, madame. C'est bien possible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Vraiment, bien sûr, oui. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, madame. C'est là que nous avons dû nous voir. C'est bien possible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Cependant, il est possible que nous nous soyons aperçus à cette occasion. Je n'en suis pas sûr du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer ? Mais si. Ça devait être moi, monsieur. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence et comme c'est bizarre. Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. Quelle coïncidence. Eh bien alors, nous sommes peut-être bien rencontrés à ce moment-là, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite. À la rue Bromfield, évidemment. À la rue Bromfield, cher monsieur. C'est ce que je me disais. Mais alors, nous nous sommes peut-être bien rencontrés rue Bromfield, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être bien rencontrés en au numéro 19, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur, mais je ne m'en souviens pas. Mon appartement est au 5e étage, dans le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon appartement aussi est au 5e étage, dans le numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence! Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre avec ce lit et son édredon vert se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Comme c'est curieux. Dans ma chambre à coucher, j'ai un lit avec un édredon vert qui se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, cher monsieur. Comme c'est curieux. Bizarre. Étrange même. Alors, chère madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés.
C'est bien possible, cher monsieur. Et peut-être même la nuit dernière. Ce qu'il y a, c'est que... je ne m'en souviens pas. J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge, elle est très jolie, elle s'appelle Alice, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux et quelle coïncidence! Et bizarre! C'est peut-être la même, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Alors, madame, je crois qu'il n'y a plus de doute. Nous nous sommes déjà rencontrés et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald? C'est toi? Darling! Allez plus vite. Enlève le bouton du haut. Je t'en prie. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. L'enfant dont parle Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme l'enfant d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à cet unique obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré des coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Elisabeth et Donald, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Elisabeth et ne sont pas Donald. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald et il a beau croire qu'elle est Elisabeth, il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Qui est le véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Quelle performance! Merci, messieurs. Voici Madame Nadine Mercier, du département de santé animale, et Benoît Fraser, du département des sciences et techniques biologiques. En 1990, c'est l'heure de la communication! On se prépare derrière maintenant pour la présentation d'une autre prestation intitulée Angélique au pays des merveilles. Cette prestation a remporté la 2e place de la finale locale de Cégep en spectacle cette année. Maxime, as-tu le nom de l'artiste? Moi, on ne l'a pas mis sur ma feuille. Ouais, moi je lis ça puis je ne la vois pas non plus. Là. Mais je regarde ça à l'œil puis je pense que c'est la fameuse Angélov Titov. A.K.A. Angélique Dubé. Je
J'ai toujours admiré ce chapeau. Bonjour, Charles. Puisqu'il ne te sera plus d'aucune utilité, pourrais-tu envisager... J'ai toujours admiré ce chapeau. Bonjour, le chat. Puisqu'il ne te sera plus d'aucune utilité, pourrais-tu envisager de me le céder ? Comment ? C'est une exécution bonne du forme. Je tiens à être présentable. Tout cela est si regrettable. Moi qui me faisais une joie de te revoir danser la geek en délire. J'étais très doué pour mon délire. Ce chapeau me tient vraiment à cœur. Je ne le porterai que pour les grandes occasions. En regardant ce négadon. Pis toi, y en a-tu du lait ici? Ben oui, j'en bois là. En regardant ce négadon, là. Solide. Y a-tu du lait ici? Y a-tu du lait ici? Pis, y en a-tu? Prends le téléphone. Allô? Y a-tu du lait ici? Y a-tu du lait ici? Du lait, ben
Accueillons Mme Joanne Lisotte, coordonnatrice de la Fondation du Cégep de la Bocatière, et Mme Nicole Langlais, directrice adjointe des études, services aux étudiants. Je vais te présenter le groupe Eux Autres, dans une création intitulée Le Commencement, qui a rapporté le premier prix ainsi que le prix Coup de cœur lors de la finale locale de Cégep en spectacle. Mesdames et messieurs, accueillons Antoine Marquis, Kevin Marc-Jonf-Lévesque, Florian Pasquale et Michael Joly. Thank you.
Le sommet, mais je ne perds pas espoir, on se reverra. Jouer ensemble et chanter ensemble. Thank you.
Madame Michèle Desrochers, conseillère en développement et à l'international, et Monsieur Mathieu Coulombe, technicien à la bibliothèque François Hertel. Saskatchewan, tu m'as pris ma femme. Ah oui, mais Mathieu, faut être solidaire. Oui, oui, t'as raison. Faut être solidaire à l'excellence de nos étudiants. Tout Et à bien, fait. Bonsoir. Pour nous présenter les lauréats de la dernière catégorie, mais non la moindre, la catégorie mention d'honneur. Babylon, if you feel like a room without a room. Babylon, if you feel like happiness is the truth. Babylon, if you know what happiness is to you. Babylon, if you feel like that's what you want. Babylon, if you feel like a room without a room. Babylon. Mesdames et messieurs, c'est un privilège pour nous tous de vous présenter les étudiants de l'Association des musiciens du Cégep de l'Apocatière sous l'habile direction de M. Mathieu Boucher qui se sont produits devant vous ce soir. Ce sont Michael Joly, Kevin Marc Jonfre Lévesque, Jean-Fernand Miville Bourgault, Florian Pasquale et Raphaël Leblanc-Pageot. Merci aux artistes et à vous aussi pour votre présence. Afin de bien immortaliser les gagnants de ce gala, nous demandons à tous les lauréats de revenir sur scène dès maintenant pour une photo de groupe. Étudiants, parents, amis, partenaires, vous êtes tous invités à vous déplacer vers le Mistook pour le cocktail. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Bravo aux lauréats. Merci d'être là, tout le monde. We'll be right back.